Yahoo, Edi Bancha! J'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée. Aujourd'hui, je te retrouve avec l'extrême plaisir pour la présentation d'un nouveau manga et aujourd'hui, on va parler du manga Real Girl. Le manga Real Girl est un manga en 12 tomes des éditions Pika et c'est un shojo. Nous sommes dans le genre romance étrange de vie, tout ce qui y a plus classique. L'œuvre date de 2011 au Japon. Et de octobre, si je dis pas de bêtises, au niveau du mois 2018 en France pour son premier tome. Le dernier tome étant sorti en novembre 2020. Et la série est h conseillé aux 12 ans et plus. Pour ce qui est du mangaka, nous sommes avec Mao Nanami. Et c'est un mangaka qui n'a aucune autre œuvre disponible en France. On attaque avec mon avis sur la qualité des couvertures. Je te dirais qu'il y a beaucoup de positifs. Mais il y a aussi un petit point négatif en soi. Donc, en ce qui concerne les couvertures, ce que j'ai aimé, c'est qu'on changeait un petit peu de couleur à chaque thème, etc. Donc ça, c'était plutôt sympa. Quand on enlève les jaquettes, on se retrouve toujours avec la même chose et donc avec l'une des couleurs principales du volume. Donc là, tu vois du rose. Ici, tu vois des tons bleus, bleu canard, etc. Et quand tu enlèves, tu as, tu vois le même ton de bleu ou le même rose. Après, tu vois, c'est exactement ça pour tous les volumes. Donc, il n'y a pas besoin de te montrer plus. Donc ça, j'ai trouvé ça plutôt cool. Par contre, le seul défaut que j'ai, alors, l'arrière est assez blanc, assez vide, mais j'aime bien quand même parce que ça permet de coller aussi à la série qui est tout en simplicité. Et on a les personnages. Et après, à l'arrière, de Mi. donc ça, je trouve ça plutôt sympa. On a en bas l'information qu'en quoi la série est en 12 tomes, donc ça, on savait dès le départ. On a donc par des mots d'accroche, bah, à chaque fois c'est la même, c'est la rencontre improbable entre une Otaku et une bimbo. Voilà. Par contre, le seul défaut que j'ai, je trouve ça un petit peu dommage, c'est que sur les couvertures à l'avant, je vais te les mettre après en fasta parce qu'il y en a 12, donc c'est trop long, on n'a que notre coupe principale et l'histoire ne s'arrête pas en fait à ce coupe principal parce qu'on suit six personnages et on les développe tous vraiment dans la série, ça je te le redis aussi tout à l'heure. Et j'ai trouvé ça un petit peu dommage qu'on ne les ait pas en couverture. Et aussi tout à l'heure je te parle, que je compare un petit peu les grandes lignes. Euh, du titre avec euh, Between You and Me des éditions Soleil qui est fait par Saiki kawa Mais au moins sur les couvertures de Saiki kawa on voyait à un moment donné. Juste la jeune fille, on voit la jeune fille et euh, Kaede, on voit euh, la jeune fille avec Tamaki, on voit les, le, son petit frère et le meilleur ami du petit frère parce qu'ils sont importants dans la série, etc. Donc on voit d'autres personnages que par exemple le couple-clé de la série. Là on a six personnages, j'ai trouvé ça dommage qu'on ne nous mette pas en avant par exemple sur les couvertures les... Quatre autres personnages importants. Même je pourrais le dire aussi par rapport au manga fausse Petite Amie où on avait aussi les autres personnages, justement quand ils étaient un peu plus développés, eux, les personnages secondaires étaient quand même présents sur la couverture. Là ce n'est pas le cas et donc ça je trouve ça vraiment très 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 dommage. Donc je te montre toutes les couvertures en face table, ce sera bien plus simple et bien plus rapide pour moi et de toute façon je n'ai pas grand chose à dire, je les aime toutes, sauf j'ai un petit peu du mal, je ne sais plus lequel volume c'est, celle où. Ils sont un petit peu en mode roi et reine, mais il y a une explication par rapport au manga. Donc c'est tout, je te laisse donc continuer pour voir les couvertures. Pour ce qui est de mon avis sur la qualité du dessin, je te dirais que ne fais pas attention à la qualité de dessin du tome 1 car dès le tome 2, la qualité de dessin s'est nettement améliorée et donc voici ma note pour la globalité. Et d'ailleurs, je te dirais même que sur la longueur au niveau de, des volumes, au fur et à mesure, on voit quand même qu'il y a une petite amélioration au niveau du coup de crayon et ça c'est quelque chose de très agréable parce que 12 tomes, c'est égal plus ou moins à 2 ans. Donc, c'est pas mal de voir que le, la qualité des dessins s'est améliorée. Pour ce qui est du manga, on suit les aventures tout simplement d'un jeune garçon qui est un otaku par excellence et d'une jeune fille qui est le genre bimbo, la fille vraiment super belle que tous les mecs, avec, euh, qui, tous les mecs veulent sortir. Et en fait, euh, ils vont se retrouver à être punis en même temps parce qu'ils sont arrivés en retard un jour à l'école et donc ils doivent nettoyer la piscine. Là-dessus va se lancer une relation entre ces deux personnages, la jeune fille va tout simplement lui proposer de se mettre en couple. Il va euh, le, lui refuser tout simplement au tout début parce qu'il ne voit pas l'intérêt de se mettre en couple. Et en plus, c'est vraiment de l'otaku avec euh, très peu de sociabilité. Il a juste un seul et unique ami et euh, voilà. Mais on veut, euh, les personnages vont forcément se mettre ensemble, ça tu t'en doutes, dès le premier volume. Par contre, dans l'intégralité de la série, ce que j'ai aimé et ce qui est intéressant de suivre, c'est justement les opposés au niveau de leur apparence esthétique et leur façon de vivre c'est à dire que la jeune fille est assez sociable même si elle a une mauvaise réputation parce que forcément tous les mecs veulent sortir avec elle donc tu te doutes toutes les filles la détestent et l'otaku qui a un seul et unique ami qui n'aime pas sortir de sa zone de confort qui est du genre à rester enfermé sur lui-même, à ne pas parler, à ne pas vouloir justement avoir de lien avec les gens, etc. etc. Ce que j'aime énormément dans ce manga, c'est tout simplement que notre chère bimbo va tout simplement nous faire comprendre qu'elle ne s'intéresse pas du tout. Au physique des personnes, mais bien à l'intérieur de ce que la personne est à l'intérieur. Ça fait penser un petit peu au manga euh, Between euh, You and Me, qui est des éditions Soleil de Saki Aikawa que j'étais présenté il n'y a pas spécialement longtemps parce que c'était ce mois-ci. Et c'est exactement le même principe la personne féminine, pour une fois, ne s'intéresse pas au physique et se fout complètement de ce genre de détails. On va voir dans le manga une évolution au niveau de notre personnage clé, de notre petit Otaku. J'ai perdu son nom. Euh, ah oui, il s'appelle Tsu Ikari. Je vais rester sur Ikari parce qu'il est surnommé Tsu Et moi, j'ai fini par le surnommer Tsun Tsun, le Tsum Tsun, comme les, les peluches. Donc, je vais rester sur Ikari. Ikari, donc, on va le voir évoluer, commencer à créer des liens avec des personnes. Ça se fait de façon naturelle et tout à fait normale. Le truc c'est que tu, on ne va pas le voir être le meilleur ami de tout le monde de toute la classe loin de là, on va rester sur quelque chose de très crédible. Il va juste avoir quelques amis en plus. Depuis cette histoire avec cette jeune fille, il va du coup s'ouvrir un petit peu plus aux autres et il va créer un lien d'abord avec une autre jeune fille avec un autre garçon qui va rentrer aussi dans leur groupe puis terminer avec une autre fille donc en fait on retrouve trois garçons et trois filles et c'est ça qui est très intéressant le manga est super bien développé ce qui est super intéressant aussi à suivre c'est qu'on sait dès le départ parce qu'elle lui dit dès le départ que ils ont que six mois pourquoi parce qu'elle dit du coup euh, Ikari que au bout de six mois elle va déménager et donc ben, que leur relation n'est que pour six mois et etc sauf que forcément Ikari ne sait pas tous les détails de pourquoi elle doit déménager et donc bah, il s'en fout il se dit au pire même si c'est pour six mois sortons ensemble et puis voilà c'est ça qui est très intéressant ce que j'ai aimé énormément c'était justement que nos deux otaku, qui étaient du coup très renfermés, etc. On grandit, on mûrit, même si c'est que en six mois. Mais ils ont réussi à vraiment euh, changer leurs habitudes et à s'ouvrir et à s'épanouir un petit peu plus. C'est ça qui est très intéressant. On va avoir aussi donc la deuxième fille. On va avoir un truc assez fun parce qu'elle est amoureuse du. Euh, garçon donc euh, je t'ai dit on a d'abord nos deux personnages clés puis un autre garçon et la deuxième fille va être amoureuse du, de, du troisième garçon et à pas son temps essayer de, de sortir avec lui mais il arrête pas du foot des vents et ce qui est marrant c'est que vu son caractère elle n'est pas du genre à abandonner donc on va la suivre vraiment faire du forçage et essayer de convaincre ce mec elle est, dont elle est amoureuse justement de sortir avec elle et donc ça c'est plutôt pas mal j'ai vraiment aimé le manga parce qu'on a beaucoup de touches d'humour il est drôle il est très intéressant il est plutôt pas mal même pour des personnes comme moi justement qui n'aiment pas spécialement euh, créer des liens avec les gens parce que bah j'aime pas ça et euh, justement ça permet de comprendre que c'est ok en fait oui tu, euh, moi je me suis fait beaucoup trahir etc mais oui c'est ok quand même de se faire des amis parce que tu peux tomber sur les bonnes personnes et justement euh, tomber sur des gens qui vont t'apprécier t'accepter tel que tu es même si c'est pas du tout le même genre d'apparence etc mais accepter que tu sois tel que tu es parce que notre bimbo j'ai perdu son nom depuis le début euh... je n'ai pas le nom vraiment enfin bon, notre jeune bimbo donc la fille elle elle est vraiment très féminine etc et euh, à aucun moment, par exemple, elle va essayer de lui changer son look à notre taku pour que ça colle plus, par exemple, à son image ou des trucs comme ça. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai su apprécier. C'était euh, qu'on respecte absolument tous nos personnages, nos six personnages. D'ailleurs, ce qui est plutôt intéressant, c'est que malgré le fait qu'on soit que, j'ai envie de dire, entre guillemets, sur 12 tomes, on a très très bien développé le caractère, la relation, etc. des personnages de nos six. Personnages, et ça, c'était vraiment quelque chose de très important pour moi qu'on ait vraiment développé le groupe entier et pas seulement deux ou seulement trois ou peut-être quatre. On a vraiment développé les six personnages, et ça, c'est vraiment quelque chose de génial. Je te dirais juste un truc c'est que pour une fois, la fin n'est absolument pas bâclée. On a un travail fait de ouf. On voit très clairement que dès le départ, l'auteur savait très bien où était sa fin et ce qu'elle voulait faire pour sa fin. Et ça c'est parfait. Je te dirai juste un seul truc, c'est que le volume 8 est le seul volume que je n'ai pas aimé. Tout le reste j'ai vraiment aimé. Ça a été vraiment du. Je, je veux pas dire j'adore énormément, mais on était sur un méga coup de cœur. Je peux pas dire giga tant que j'ai pas fini en fait une série, mais j'étais sur du giga coup de cœur, g... euh, méga coup de cœur, méga coup de cœur, méga coup de cœur. Le tome 8 était une M pas possible, très clairement. Mais euh, ça reste que sur un volume. Honnêtement, même, tu vois, j'avais les 5 premiers tomes d'abord et j'ai acheté 6, 7 et 8. Et après, euh, au bout du... Enfin, euh, après, j'ai acheté du coup 9, 10, 11, 12. Et quand j'ai lu le tome 8, j'avais déjà, parce que j'avais commandé pour, euh, pendant la lecture du tome 7, j'avais déjà commandé la fin. Et quand j'ai lu le tome 8, je me suis dit, c'est pas vrai, l'auteur part complètement en cacahuète. Et est-ce que je vais aimer la suite ou pas Et oui, ça a très bien fait. C'est juste le tome 8 qui est vraiment nul, qui est vraiment presque sans intérêt. Je te l'avoue, j'ai eu peur qu'en fait l'auteur soit parti sur un délire pour étirer sa série. Absolument pas. C'est au pire pour étirer un volume, peut-être le temps qu'elle qu développe plus certaines choses. Mais c'est tout. Donc pense-y, le tome 8 est chiant. Le tome 8 sert presque à rien. Mais il faut quand même le lire, parce que sinon tu vas louper quelques petits moments clés qui sont très importants. Mais voilà, après, euh, honnêtement, l'histoire est génialissime. Et de toute façon, je vais te mettre ma petite note à côté de moi pour que tu puisses euh, comprendre à quel point tout a été bien travaillé, développé, abordé. Mais honnêtement, c'est. Euh, comme tu le sais d'ailleurs, j'ai tendance à revendre très facilement mes mangas. Sur le tome 8, je me suis dit que j'allais le revendre, mais finalement, après avoir lu l'intégralité, je compte le garder parce que celui-ci, je veux vraiment le relire une autre fois, parce qu'il est vraiment trop bien, il est génial, il est... Je ne serais pas expliquer. mais en fait, il y a tellement de positivité, d'acceptation de, de l'autre qu'il est, et compagnie, que je trouve c'est un message tellement positif et tellement bienveillant, que j'ai vraiment eu un, bah, un giga coup de cœur pour cette série. J'ai oublié de dire, mais il y a aussi un seul défaut que j'ai à reprocher au manga, enfin plutôt à l'auteur, pas par rapport à la série, mais plutôt à l'auteur, au choix de l'auteur, c'était que donc euh, le meilleur ami de Ikari, c'est celui qu'on voit donc derrière ici. Et comme tu peux le voir, il a des oreilles de chat. Il nous dit dès le début du manga qu'il porte des oreilles de chat parce que c'est un otaku et qu'il a décidé de porter des oreilles de chat pour exprimer sa différence par rapport aux autres. Et euh, au niveau de l'histoire, du jour au lendemain, il va arrêter de porter ses oreilles sans aucune explication. À aucun moment, on le voit par exemple reposer ses oreilles en se disant. En gros, tu sais que ça pouvait l'aider à se sentir mieux dans sa peau et compagnie. À aucun moment on le voir reposer ses oreilles en se disant c'est bon, j'en ai plus besoin. À aucun moment donné, il explique qu'il ne porte plus ses oreilles de chat pour X ou Y raison. Non. Voilà, du jour au lendemain, il a arrêté de porter ses oreilles sans aucune explication. Euh, moi, si j'arrête de porter par exemple mes bonnets de machin et tout ça, euh, c'est que, enfin. Je ne porte pas tous les jours, mais disons que si j'arrêtais de porter mes bonnets ou mes machins, il y aurait une explication. C'est pas juste comme ça, du jour au lendemain, oh, bah, je ne les porte plus. Non, c'est qu'il y a toute une. Par exemple, moi, je me sens bien avec mes bonnets ou à porter des serre avec des oreilles de panda, parce que j'adore ça, et j'adore avoir quelque chose sur la tête, un béret, un bonnet, un... tout ce que tu veux, euh, des... des couronnes de fleurs, des oreilles, des machins. Et c'est vrai que par exemple, quand je n'emporte pas, je me sens nue. Et ça arrive que je n'emporte pas pour YouTube parce que j'oublie hein, très clairement d'emporter. De, Mais quand je sors de chez moi, j'ai toujours quelque chose sur la tête. Et, et que ce soit voilà, une couronne de fleurs, mes oreilles, peu importe, un bonnet, un béret. Et sans ça, personnellement, je me sens tout nue. Donc le personnage, je pense que c'est pareil. Et j'ai trouvé ça vraiment très, très, très dommage l'auteur ne nous fasse pas d'explication réelle du pourquoi il arrêtait du jour au lendemain de porter ses oreilles. Voilà, donc c'est un petit défaut que personnellement j'ai eu vraiment du mal à accepter. Cette vidéo sur le manga Real Girl est donc à présent terminée J'espère de tout mon cœur que cette vidéo t'aura plu Si c'est le cas, je t'invite comme d'hab à liker, commenter et pourquoi pas partager N'hésite pas à me dire si ce titre t'intéressait ou pas Si jamais tu l'as déjà lu, n'hésite pas à nous mettre ton avis en commentaire Ça me ferait très plaisir de le découvrir Je mets bien entendu en recommandation mes deux précédentes vidéos des éditions Pika Ma tête de panda pour t'abonner, mes réseaux sociaux, mon compte Vittel N'oublie pas quand même de t'abonner car je sais que vous êtes à peu près 50% à regarder mes vidéos et à ne pas être abonné c'est bien dommage, et je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure. On n'est pas de sourire, quoi qu'il arrive. Bye.